Bon, nan sa, nan kestyon ki gen awa etat d'urjans sekuritè lan, nan mkwen pwoye pwoyen, kriter, alo, an di nivou de foksyonman etat d'urjans sekuritè la, pou an pil moun, gon lè ou pa dwe nan la. Oui, exact. Sa trez important. Gon lè, gen de opérasyon kap fèt, mèm lò se jounalist, ou pa gen dwa la. E sa ay, gon pa ket bay nan etat du jesan, ou pa ket moun fèt pou konè, gen de opérasyon kap menè. Pablik, sou bo aver Ezayu, etat du jesan lan, donk l'idée permèt ke, alors, moun ki te gen dwa nan la ou, se te jounalist, avèk la police. Duman identifié. Journaliste identifié. Dans la rue. Oui, alors, gen de côté opération mené, journaliste pa gen droit là. Clair. Correct. État d'urgence ça, l'état d'urgence sécurité là, faut que journaliste connait gonse de côté pas pour lui. Clair. Principe. Gen de image n'a regarder peut-être nous ka retourner sur ça qui vraiment aberrant. Pas qu'à la police en côté pour balap tirer pour journaliste dans mitan la police etc. Ça prend un tir croisé, ça pas fait. Moi c'est peut-être que yo t'a lancé un sorte de accréditation à quelques journalistes. Alors ça passé et ça fait quelque temps que il y a des journalistes qui pas suivre séminaire pour la couverture d'événements. Exact. Parce que son spécialité parce que te suivre. Voilà, son spécialité là. Couvrir événement, c'est pas n'importe qui couvre événement non. Faut qu'on habilité pour couvrir événement, faut qu'on suive séminaire pour ça. Faut suivre des séminaires pour apprendre couvrir événement. Il y a des entraînements avec même comment pour plonger, comment pour voilà. Image qui bon pour cacher. Il y a un type qui victime. Bon, malheureux de le dire, grand type qui victime dans la dernière occasion et dans couverture événement by l'LT prend by dans JGM. C'est un niveau de positionnement. Exactement. Dans cadre couverture là, c'est dans cadre de couverture là faire que le pas gagner formation pour qui va pour le camper. Exactement. On parce que gros bagage, gros question de camper, façon pour camper, façon pour positionner. Ouais. Non, les pour événement ça. On faut que nous apprenne monsieur, comprendre. Nous apprendre. Yeah. Bon, en tout cas, et là c'est que Gaïkoni c'est sa première adresse à la nation et j'ai qu'une dit ici dans émission matin débat jusqu'à présent donc l'a joué de sa nourrir. Et tant de grâce, que, grâce. Fait, de grâce. Bali, de grâce. 100 jours, il peut couper donc sous 100 jours et jusqu'à présent donc il bénéficiait de ça et même politique là tout, ok? On peut gagner et gagner entente, ok? Qui fait entre yo, entre politique yo, ok? Pour yo pas commencer en fait saccager Gaïkoni parce que jusqu'à présent, donc il peut arriver à 100 jours. Maintenant, et première adresse à la nation ça, il est clair, il est positionnel. Et moi, c'est que comme Gaïkoni, comme Premier ministre l'a dit, qui est important, ok, Haïti m'a perdu. Ah oui. Que nous-mêmes, nous tous disons dans l'émission de débat. Correct. Pays a gagné un problème, c'est vrai. Situation très difficile, je dis. Mais il a résoudre quand même. Ouais, bah ouais. Non, pour résoudre. Est-ce qu'on l'a? Ok, mais un pays ne meurt pas. Ok? Un pays pas qu'à mourir. Un pays pas jamais qu'à mourir. Haïti pas perdu. Maintenant, est-ce que qu'on y a action qui va poser? Ok? Est-ce que je dis, action ça va pas le résultat que toute population après tant là, madame, monsieur, sous question insécurité. Ok? État d'urgence sur deux départements, c'est vrai, c'est l'Ouest. L'Artibonite. Il faut que maintenant, madame, monsieur, ouais, question de sécurité, ça. C'est bon, faut nous mettre en tête, nous, c'est mon mari qui a fini qu'on y a. Là, c'est clair, c'est clair. Ah oui. Ok? Parce que tellement de âmes qui sont en circulation, tellement de âmes dans le pays d'Haïti, là, on prend un groupe gang armé. Il y a là là qui a cherché un gens pour quitter le pays. Il y a des soldats là qui a cherché pour quitter le pays. Gelade ou déjà quitté pays qui Mexique qui a dégagé au fond Jean puis rentré aux États-Unis d'Amérique. Mais gelade ou tout madame monsieur, l'opération va déraper. Il va quitter capitale là, il va aller en province. Ah oui, en clair. Il va en province. OK? Et il va déplacer avec Zamio, il y a en province ou bien capable cacher Zamio. OK, côté OTIA donc n'importe au prince. Clair. Que nous te comprenne.
ça t'est arrivé en 2004 avec Jean-Marc Aristide. Oui. Parce que t'es que des âmes dans la Cité Soleil que n'est-ce que t'as caché dans des cimetières. Oui. Il a caché des âmes dans le cimetière. Donc elle dit que c'est mon problème qui pourrait résoudre qu'on y a. Donc elle dit que au niveau de département ça, c'est vrai que on voit que c'est là qui gagne plus gros foyer de gang yo. OK? Parce que gang qui ça vient, il pas petit du tout. OK? Gang qui la croix péris là. Coco Atsenas. Il pas petit du tout. Et on regarde l'ouest là. Donc elle dit que l'ouest là pratiquement availlé. Donc avec gang armé, elle dit que OK, c'est vrai que déloger, craser gang ça dans l'ouest également dans la Tibonite et l'autre département yo. Donc c'est mon problème qui va résoudre qu'on y a. Mais cependant, faut qu'il résoudre. Maintenant, est-ce que qu'on y a gagné qu'on y a? Moi-même, vous qu'étendez, mon directeur de la police, chaque fois un directeur de la police monte, OK? Bon, si j'aime comprendre ça. Depuis la police, ça peut-être sous dénisé, peut-être pas content de parler de ça. Après dénisé, pas qu'on directeur général de la police, c'est ça eu. Depuis le monte, son green discours. Oh, la police, ça, pas moi. Pas contre directeur général de la police. Devil monter. Green discours. Oh, la police, ça, pas moi. Son excuse. Bon, son dernier excuse. Ça, pas moi, quand c'est lui. Bon, bah, il pas moi. Nous, pas jamais moi. Moi, j'aime dans notre directeur général de la police. Et ça, c'est ça. Ouais. Samuel Jean-Baptiste. Qui vous dit que oh oui la police a gagné moyen non? Jamais. La police toujours pas gagné moyen. Maintenant, m'espérer que Gaï Koni, comme premier ministre, la va tenir compte de ça et que non, Mil Rameau a pas gagné moyen nécessaire. Et ça y est, ou même qui sont ces policiers. Là, on dit la police a pas gagné moyen. Ça, on dit ça. À tout niveau. Moyen matériel, et équipement. Et. Ouais, c'est ça, oui. C'est moyen pour le capable. Répondre tac au tac à sa gain là. Et son homme de là. La police a gagné moyen. Non, la police a gagné moyen. Bon, alors, le code désir, femme d'où que. Non, niveau. Et bon. Bon, femme d'où que. Il était contre mal utilisé. Et fonds qui a loué à question sécurité. Ok. Dans tout gouvernement passé, on peut gouverner avec là, qui est en train d'organiser. On ne peut pas parler de gouvernement avec là. Mais aucun gouvernement passé là yo qui était bien utilisé à l'exception de l'administration Martelly Lamotte qui était utilisé fonds qui gagne qui sur sécurité a, très bien pour la sécurité à 80% on t'aime tout ça parce que moi même m'étais in et m'étais ouais et nous tout le monde était ouais résultat yo pas parce que m'étais in parce que m'tap suivre m'tap dans machine là qui t'a ba résultat qui a arrêté moun qui dans kidnapping cap frappé et zéro kidnapping après que l'administration ça d'ailleurs Reginald Delva Ramoté la donne l'équipe là et Michel-Ange Deyon et directeur général ancien directeur général de la police Gotson Aurelius là c'est une équipe solide qui t'a frappé et nous rappelez-nous dans moment ça c'est moment ça nous t'ai arrêté nèg qui relé Clifford Brett là qui dehors kounya là très bien et Edner Comé qui dehors kounya pendant pas la voilà là aide la vie moun sa yo qui te goumen contre sécurité contre criminalité organisée. Rappelons Ramon Normil, t'as l'arrêté. Même jeune homme qui t'a sauvé en parlant de Comé, Edner Comé, qui t'a sauvé à ce domaine. Ramon Normil traverse la République Dominicaine, t'as l'arrêté, monsieur. Donc, je dis à la monsieur dans la rue. Donc, ça veut dire que lundi n'est pas de moyen à parler à l'ouko, c'est dans tout niveau. Dans tout niveau. Niveau l'argent, niveau moyen économique, comme si, en pile fois, pour si on caoutchouc qui est obligé de faire. Et réquisition pour voir une finance. Son paquet, administration de l'État, elle est lourde. Il y a une lourdeur au niveau de l'administration de l'État. Par exemple, dans le cas de machine, là, c'est la police qui a des machines. Faut à fond, pour être capable de remettre une machine. Est-ce qu'on est la police qui a des moyens pour remettre une machine? Est-ce qu'on est que dans l'État, si le directeur général ça a décidé pour dire bon monsieur, il faut dégager une machine. Son paquet procédure pour remettre une machine. Donc pour montrer un exemple, et la police qui en tort. Et la police qui en tort à la police et m'bat bail la police, m'bat prêter la police machine, on va nous là. Même dans le niveau des dommages, mon bataille de l'argent, pas qu'elle bagaille. Donc ça dit que je dis à là, l'air dit la police pas les moyens, en pile foivré, la police pas les moyens. Mais je ne vais pas dire là d'ordre stratégique,
commissaire Kafou, est-ce qu'on connaît prétexte policier te utilisé pour te retirer quoi? C'est moi Dieu pas de gain. Mais pendant même ça me dit, attendez bien ça me dit. Pendant même policier t'a plein de bail moyen, chaque grain policier gon attendez sous une trentaine de policiers, ou a 20 qui gagne manche langue. Qu'on a va poser question qui va venir manche langue là. Tenez bien ça m'a dit papa Aïche. Allez. Là, maintenant réalité a. Au niveau du commissaire Kafou, policier a demandé zam loukou dizi. Ça veut dire yo pa gen zam. Yo pa gen zam. Mais même quand des policiers qui entrent dans même commissariat soit la caillou, ou après on gagne une ak deux manches longues. Attention. Côté journal. Tenez bien ça m'a dit papa Aïche. Pour la vérité. OK. La police commissaire Kafou vraiment yo pas de moyen vrai. Mais soit aller dans commissariat, chaque grain policier la caillou pour porter tête yo, yo gon manche longue. M'pa konn ki ba venir. Tenez bien ça me dire. Et ceci c'est dans tout commissariat au Loukou Dizi. Même l'autre des policiers do pas moyen, pas moyen. Mais là besoin avec l'activité yo, yo gen moyen. Mais et dire en tant que recommandement pour vous et moi un bail va dire machine en panne et on paquet bail comme si qu'il y a ouais matériel en termes de matériel de moyens palpable yo pas gain même on constater ça vrai mais au fond soit les quelque part soit la caja grain policier ou venir gon manche long la caillou tête chargé moi même ça m'a dit sur dossier ça sur question moyen la police va gagner hein. Mbosse, la police pas j'aime moyen même. À un certain moment, moyen policier te gagne, moyen la police te gagne, t'es plus que moyen gang. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, d'après moi, moyen que la police te gagne, t'es plus passé gang. On va parler là pour nia là. OK. Ouais. Mais il était mal utilisé. Voilà. D'après ça m'a dit toujours, d'après ça m'a dit moyen pas signifie zam seulement avec balle. Clair, normal. Parce que nous venons arriver dans un moment là, ça qui cause que gang yo prend tout territoire ça, c'est parce que vinn une sorte de parité technologique, parité de moyens. Même gars il qui dans mes policiers, il est même qui dans mes gang là. Non, gang gang plus et peut-être que plus balle à plus reporté. À comment dire là et policier a gagné un zam qui tire avec et 556 gang n'a gon zam qui tire à 762. Oui bon peut-être en grande voilà. Majorité voilà a dit au carin quelques policiers dans un commissariat qui gagnait un Kalachnikov les hommes doivent qui tire à 762 mais majorité zam yo gagné c'est à 556 pendant que gang n'a lui-même a tiré avec un zam de haute portée voilà. Et ça gagne là qu'on y a là ça qui vient de passer c'est que si n'a tiré à presque même moyen moun ki pi aguerri non va tirer même moyen bien dit gang yo gen majorité zam gang yo gen c'est 762 tiré al galère dernier zam ça que la police gen même oui tout Esaü hein dernier zam ça la police gen seulement non c'est passion d'où en majorité on bandi ka gon zam de haute portée qui largement dépassé capacité zam policier ou là mais qui pas formation policier est-ce correct non mais on policier c'est 72 il passe blindé ou quoi non mais les puis il descend sans problème correct non là correct oui c'est en question de stratégie mais pas oublier 72 il descend blindé et puis vient jeune avec et un seul et police là en pile en policier dans dernière promotion et intégrant dans gang yo. Son l'autre problème encore. Ouais, on a problème. Donc oui, monsieur, monsieur. Bagayo en pile, mais gon l'autre bagaille tout dans moi yo, tout gen moyen renseignement que nous pas jamais mettre accent sur lui. Correct. Il est vraiment important parce que moyen pas seulement ça. Très important et moi c'est renseignement. Non, adresse à la nation de premier ministre Gaïkoni là et ça fait que nous même émission matin débat ouais nous prend le temps, madame monsieur nous prend le temps et le soir pour nous analyser adresse à la nation. Également porter des conseils tout et des suggestions. Parce que dans l'adresse à la nation, il y a une urgence qui va le décréter, qui déjà décrété déjà sur deux départements sous question de sécurité. Et si Gaï Koni effectivement, donc quoi que question de sécurité, il faut qu'il résoudre. Donc il faut accompagner Nomil Ramo pour Nomil Ramo pas à marcher dit, même avec tout le directeur général et que la police n'a pas gagné moins. Et puis, il faut qu'il investisse tout
dans question renseignement. Parce que l'agent renseignement dans le pays d'Haïti, c'est l'agent qui toujours gagoté, pas pour moi. Gagoté, al paye mortgage, al paye bill, al paye bagay, al paye dette, al paye une série de bagay, au moins j'ai une série de bagay. L'agent intelligence là, qui n'a primati, qui n'a ministère de la justice, qui n'a intérieur, qui n'a palais national, c'est eux-mêmes qui baillent la police. Sous Michel Martelly, Laurent Lamotte, ils ont augmenté l'argent de 30 balles la police. C'est vrai, ok? Mais où est le résultat? Voilà! Madame, monsieur, écoutez, Raïtien m'a dit dans le blanc, correct. Ou quand dit, sous président Martelly avec Laurent Lamotte, c'était zéro kidnapping. Zéro kidnapping. Et ils ont quitté le pouvoir avec zéro kidnapping. Ou quand dit que le président Martelly, c'est le même qui va village de Dieu, Zam, et ça, il dit. Mais vous êtes d'accord avec moi que pendant le président Martelly était président, ok, pas que kidnapping bâtiment dans le pays. Correct. C'était zéro kidnapping. Correct. Ça c'est. Et vous êtes pouvoir avec zéro kidnapping, madame, monsieur. Correct. Ça c'est chiffre parlé pour vous. Et vous même, vous même te travail, ok, dans l'équipe sécurité à même, avec Reginald Delva, que je salue et commandant Reginald Delva. Et qui lui-même son stratège dernier niveau et qui te pral permettre yo arrive à arrêter yon pi gros kidnapper yon pi gros criminel yo nous ka di nan cap nan Caraïbes là à savoir et Clifford Brandt qui en cavale dans moment on a parlé là, OK, que bandi yo al lagué, c'est bandi yo qui crase prison hein, qui al lagué tout moun wèk lagué yo. Donc c'est pas nèg yo qui met tête yo dehors, mais c'est bandi qui la guerre prison hein, mais avec complicité on s'est monde dans l'état que moi-même personnellement que me contre-attaquer vient tourner et me souhaiter que si il y a justice dans le pays là moun sa yo faut que poser une question parce que tout le président Jovenel Moïse avec craser prison hein, deux prisons c'est deux mêmes bagailles yo on aller nous politique deux OK on aller bon. Pas oublier, on suivre émission Matin Débat, on salue toutes les fidèles auditeurs, auditrices, internautes. Émission Matin Débat qui n'en t'aime pas, et qui est Fort Myers, qui est Naples, et qui également donc West Palm Beach, qui pas jamais pas branché. Émission Matin Débat et Port-Saint-Lucie, et qui est toujours là ensemble avec nous. Donc on a salué et toute équipe maquilleuse là. Et il faut que je dise, monsieur, une équipe maquilleuse ici, hein, qui vraiment, et vraiment. Et très professionnel. Bon bagay. Depuis Sophie, Jacques Cutis Pierre et Kadija Cutis Pierre et Genèse Midi et Jazz et Genèse Midi Jazz et puis n'a salué également donc Boss Isidore, Boss Ben, téléphone c'est 347 monsieur c'est un gros et mécanicien, gros mécanicien là et en Florida et Boss Ben, téléphone c'est 347 819 0740, ok? Je suis un gros boss mécanicien que tout le monde Miami connaît. Boss Ben, 347 819 0740. Et puis, nous saluons spécialement Béatrice Pierre Midi et puis toute l'équipe et Télépam. Ah, Béatrice, bon bagaille. A fait Pam. Qui relayait émission Matin Débat. Donc là, tout le monde qui a suivi émission Matin Débat, donc sur Télépam, donc dans Miami, Florida, et bien nous saluons matin, donc dans émission Matin Débat. Et puis tout le monde qui a sur radio et Télémix, Mister Mix, en forme. On allait en avancer. Haïti politique rencontre ce jeudi 18 juillet 2024 entre le Premier ministre Guy Conny et le secteur des droits humains. Quel est donc l'objectif de cette rencontre? Alors, hier, nous avons parlé de questions à Isaïe César. Mm-hmm. Et moi, que vous avez un homme qui dépose des questions, qui dit que c'est que le droit humain, qu'est-ce qu'il a donné? C'est des mafias politiques. C'est des mafias politiques. De nez qui parachutent tête en dans ce secteur-là. Qui, c'est affaire politique qui a réglé. C'est comment ils sont capables de mettre les gens dans le pouvoir pour influencer cette décision dans l'État. Donc, c'est qu'on dit que sur la forme de gangstérisation au niveau de ce secteur, quand je parle de la gangstérisation au niveau de l'institution policière, la gangstérisation au niveau de la presse, la gangstérisation est étalée dans divers niveaux, nous qu'on désire. L'on constate pour on nèg dit lycée droits humains. Mais il serait soit droits humains. Et puis il paraît l'autre bagarre pour faire
pour combattre yon moun kap combattre gang. Eh, hey, yon, Esaü. Yon man nan yon non? Matisse, c'est un mec Matisse, Esaü. Yon pi lui, qui n'est pas nous lis là. Tande, faut-il kapé non? Yon man nan contre non? Tande, ah. Tande, tande, tande. Bon, man nous lis là. An allé. Ok, men ki, écoutez madame, monsieur. Parce que li très important pour nous connaître. Parce que, qui deux bagailles n'a dit qui portait à confusion dans le pays? Société civile, n'a pas dit que c'est société civile. et puis, on grand monde qui a parlé pour société civile. Faut-il rappeler le coup? Moi, exemple, société civile, ça a parlé à là. Moi, rappelez-moi, nous voyagé avec un pasteur, bon, regretter mémoire, et monsieur mouri, et monsieur dit, mes aïe. On connaît le même bail ici avec ancien ministre. On dit Roche. La France baille ça 1 million euros pour te combattre Jean-Baptiste Aristide. Les Jean-Baptiste Aristide t'a fait 1 million euros à société civile euros pour combattre Aristide. Et moi mettez un défi. N'importe monde dit c'était menti. La France baille 1 million euros et pas ça seulement pas comme ça seulement bail nous. 1 million euros à société civile là, laisse ça pour te combattre Jean-Baptiste Aristide et ça que femme t'a pas dit la question restitution réparation. La France était obligée bail et société civile là 1 million euros pour te combattre. OK, Jean-Baptiste Aristide qui lui-même t'a fait t'a clair on est sous question et l'argent de l'indemnisation. Pour montrer niveau de corruption. Niveau de vagabondage, nég ici, dans la question de droits humains, société civile. Non, c'est clair, parce que pas blé, comme si, n'en a pas que société civile, comme si, ou même, qui c'est citoyen pays, ya, ou pas faire partie de société civile là. Ok? Mais qui est organisation qui présent matin, hein, madame, monsieur, donc, et en contact avec le premier ministre là, et sous écoutez, question de droits humains. Moi même, pas bon. Pour discuter, pas pays. Même là, ça me sac même là, pas que ce pays a de toute organisation doit assumer ça là. D'abord, on a le RNDDH, Défenseur Plus, OHDLP, Saint-Lévesque, OHDLP, BAI, RONDDH, OCNH, OPC, FJKL, ok, CRIFA, ODD, OMOD, CONAN, ISC, POSE, LHDDH, RENAVIC Haïti, COJH, BODDH, Agir pour Haïti, Famiola, RPDDH, IMED, Warambodou, FEBIC, CARDH, COSIDEN, ADCLIP, LIFER, CAIGEN, MET. Présenter plan de travail. Et ça, qui y a la question de la moune, respect de la moune dans le pays. Bon, c'est que je dis là, le pays a dirigé par une équipe. Est-ce que l'équipe là lui-même, lui là pour violer de la moune? Mais c'est ça que fait le premier ministre de santé. Invité, responsable de la moune. Je vais vous dire que ce n'est pas tout le où est un moune abri pour penser qu'elle est content. Ok? C'est pas tout l'heure où on a abri pour penser que quel content. Et si ça n'a habitude li pour le rire, après son monde cap toujours souri, cap toujours rire parce que il fait partie de l'habitude li, mais n'a font que et c'est bon monde vraiment qui content, c'est bon monde vraiment qui t'a doué abri. OK? Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage c'est que faut connait que il y a une plus gros capacité pour gagner dans la vie ou c'est là qu'on tombe, il faut goumer pour qu'on recampe sur deux pieds militaires. Ça, c'est ça qui est plus difficile là. Ok, c'est là qu'on a un problème, ou tomber, il faut lever.
et yon moun ki gen kapasite sa, ba bon menti son moun ke bon Dieu en fait et accompagner parce que li baba a tout moun OK capacité ça pour le tomber et puis que lever. Le dire c'est que nous un pays qui est extrêmement en situation difficile. Haïti tombé. Mais c'est dommage que nous-mêmes haïtiens nous pas rendre compte que c'est nous-mêmes qui pour gommer pour nous recamper pays. OK. C'est dommage que ne pas comprendre ça. C'est dommage que n'a goumé. C'est dommage que le dire après que il y a des haïtiens, il y a des citoyens, des jeunes et monde de tout l'âge. Après que il y a plus encourager ça qui pas bon. Hein. OK, comme tu as fait comprendre que aujourd'hui, il y a des jeunes garçons qui acceptent de travailler comme journaliste pour des bandits. Il y a un problème. Ouais. Parce que c'est pas toute bagaille qui a permet toujours dire comme si c'est pas tout bagaille qui ca fait comme on disait pour l'argent on devait on disait pour l'argent on va faire comme dit ou est-ce qu'on dit un journaliste comme s'il est à l'aise il pas un problème comme si pour la servir bandi donc il est à l'aise pour le travail contre le pays la l'aise pour le travail contre eux. La nation haïtienne est à l'aise pour le travail, pour le craser pays. Parce que on a qui c'est bandit ou c'est bandit ou pas le bagaille. OK? Ou c'est bandit ou pas l'autre bagaille que bandit. Soit ça, OK? Faire ça qui n'est pas bon dans la société. Et faire le probablement parce que vous estimez que. Et les servir parce qu'on fait l'argent, parce que la famille ou cabaye tout sauvé ou qui bon victime qui ça ou c'est victime ou c'est victime même pas qu'attendre des discours à n'est pas que au bandit à son victime comment son victime non les choix c'est ça son choix qu'il fait. Je n'ai pas l'alandouague n'est pas choisi l'alandouague. Choisi à faire l'argent facile. Donc, pour ces bandits, eh bien, prends responsabilité. Ou. Même pas comprendre ce que je dis, on peut que des journalistes, OK, qui choisissent à travailler pour bandits. Ah non, en tout cas. Bonjour, Galette Gladimir, et bonjour, et député Pierre Martin à toutes. Bonjour Esaïe César, bonjour Samuel Jean-Baptiste, comment allez-vous, monsieur? Bonjour Louko Désir, bonjour Esaïe César, bonjour Gladimir Galette, bonjour à tout auditeur, tout téléspectateur, Radio Téléclair, bonjour à député Pierre Martin Tatout, à José Lexidor, à tout le monde qui fait émission ça de s'allier jeudi. Hein. C'est moi-même Samuel Jean-Baptiste et c'est toujours un plaisir pour moi pour nous là avec vous dans la quatrième. Sorti émission Matin Débat pour semaine nan et émission ça Jean Connelly qui toujours fait li le devoir pour li vin analyser en profondeur et au 3e 4e degré même nous ka dit tout ça qui a passé dans toute sphère nan pays hein. Question sécurité qui a fait actualité, question politique, économie, toute bagay net côté nous vini là chaque jour nous vini analyser ensemble avec vous et songer. Dès que m'étais premier pour micro dans l'émission, ça m'était toujours dit. Nous là, moi-même personnellement, nous pas là pour nous venir plaindre seulement, pour nous venir critiquer. Nous là pour nous venir proposer. Et c'est ça même, nous faisons nos devoirs pour nous venir proposer, analyser, proposer pour nous gagner un plus bon Haïti. Parce que si on bagarre que nous tout nous clair sous lui, nous pas arrêter comme ça et faut que nous avancer. Et voilà, c'est avec un peu de plaisir que nous là, nous saluons tout le monde qui est toujours en bas live là, qui est toujours à bas nos supports depuis les fait 10h, qui est toujours là, qui branché devant radio yo, devant télévision yo. Nous saluons Onidi Lise
qui est à côté nous depuis New York. N'a salué madame Marie Labbé, n'a salué James Marshall, n'a salué et on monte en coup Alphonse François capitaine de nous depuis Paris, n'a salué on monte en coup Ganella le comte depuis Ohio qui toujours branché émission Matin Débat. Et voilà, nous parti pour une belle émission Matin Débat pour jeudi. Bonjour Isaïe César. Bonjour Louko Désir, bonjour Pierre Matatout, bonjour Gladimi Galette, bonjour Rolando, bonjour Gaël, notre coordonnatrice, bonjour à notre maquilleuse, bonjour à Babas, bonjour à toutes amis auditeurs et auditrices du Radio Téléclair qui branche émission Matin Débat dans le SA. Nous connaissons le SA depuis l'arrivé et jeudi à ses quatrième sortie émission ça Matin Débat qui entre la KO, qui va permettre de comprendre ce qui passe dans le pays là, et permettre ouais exactement ouais clair. Parce que je dis à la, Haïti n'a problème Haïti c'est problème pas nous, et c'est nous mêmes qui pouvons résoudre problème nous, même les Kenyans qui se frais nous, c'est nous, Africains qui sorti côté ou sorti à venir aider nous, pour te coller avec nous, nous disons merci, d'abord, nous dit que je dis à la, pays a, non, salier là, c'est nous pour mettre le main dans la patte, et pas oublier, nous t'ai toujours dit ça là, Et nous dit ça là, nous faisons intervention depuis États-Unis. Nous faisons intervention pendant que nous là, lundi dernier. Nous avons dit, il y a une majorité de journalistes qui ont l'école journaliste et que c'est chef de gang qui paye coup pour eux, Ok? Et nous avons dit ça là. Parce que moi-même, je travaille dans le pays, je connais pas eux. Des journalistes, ce n'est pas des moindres, ce n'est pas n'importe qui, moun, non, des journalistes. Dans la dernière année, ça y est, des journalistes dernière année. Yo. Même les policiers dernière année. Yo. A dire de 26e à 33e promotion, chef de gang intégré dans la police nationale. Ils ont infiltré dans la police nationale. Ils ont fait à l'inscrit. Ils ont dépensé l'argent pour eux. Ils ont préparé des documents pour eux. Faire entrer dans la police nationale. Même les journalistes, tout. Journalistes, il y a l'école journaliste. Game gars dit oh c'est bon journaliste oui et moi tout ça yo c'est journaliste ils sont des journalistes pas tenté a dit diplôme non mais yo de boire l'école journaliste journaliste qu'on a ça pas dépend de qu'on a qui ont géré mission comme journaliste ils sont des journalistes et ça fait faut la police la justice l'état en soi mène une bonne enquête pour garder comment ils ont fait. C'est pas nous-mêmes nous qui accusons les gens. Et ouais, et ouais, regardez pour ouais, niveau de fonctionnement avec ça, dans la RIA. Si vous voyez, en pile là-dedans, vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas travaillé, vous n'êtes pas décidé d'intégrer. Même vous avez décidé d'intégrer. Non, intégrer les médias traditionnels, vous n'êtes pas allé parce que le travail n'est pas autant. Yo pa gitan pa media traditionnel là, li kou fason fonctionner. Clair. Pour le reportage, pour produire reportage, yo même connait l'argent facile. Suis bien vrai, si monsieur dans la rue, et pas que m'gen pour là avec yo. Yo pa aucun reportage yo va faire pour chita, pour travailler au niveau de la rédaction. Non, pas de bagaille comme ça. Gros paquet de bagaille yo pa faire, pa jamais faire. Mais pour qui ça connait? Ça parce que yo dans l'argent facile. L'argent facile là, c'est que chef de gang yo paye au bien. Même de paye au bien, yo ba gros l'argent. Yo habitué à Gokob, grave. Pour aller l'activité, c'est l'argent yo avant. Pendant que journaliste professionnel là, premier souci li, c'est l'information. Louko Désir, ici, Matin Débat. Et ça, nous clair dans ça. Ok, bon, en tout cas, son dossier n'a pas suivi ici. Hein, et nous allons tourner sur lui tout à l'heure encore, parce que nous allons parler de l'adresse du Premier ministre et M. Gaïkoni qui te fait mention de ça hier, donc dans le cadre de l'adresse à la Nation. Bon, Isaïe César et Samuel, Matin Débat. Et jeudi à ce 18 juillet, en principe, vous connaissez que debout tomber dans le mois juin, juillet, août, septembre, ou déjà dans la fête patronale. Ah oui, clair. Donc, cette année, donc, nous avons dit que Haïti a été fête patronale. Et hier, à Sodo, c'était pas la grande recette. Et hier, Sodo, c'est pas tant le monde qui était. Alors, le 16. Et Sodo. Le 16. Et. Avant hier. Oui, Oui, avant hier, oui, c'est avant hier, donc c'est pas tant le monde qui est arrivé sur dos, malheureusement. Et là, on peut partir pour fête Saint-Anne. Fête Saint-Anne, c'est le 26 juillet, après ça, on va gagner fête Saint-Jacques. Et puis ensuite, on va gagner fête Notre-Dame, et 14 août.
ou pral gen fèt nan Marigo et ou pral gen fèt gelé au Kay. Donc encore madame monsieur donc m'a dit que nous raté donc fait pas ton allio bien entendu et département qui pratiquement limitrophe avec l'autre ou venir des monde qui va le déplacer par exemple monde grandance qui descend y aller au Kay monde qui voilà mettre qui descend au Cap Haïtien monde qui est dans plateau central qui a monté donc vers le nord mais quand même on voit que diaspora donc comme chaque année, il est toujours allé donc il ne fait pas ton allio, on pas que diaspora donc Anissa donc pas capable de répondre donc a fait pas ton allio parce que situation pas bon, situation insécuritaire donc pratiquement pas bon. En tout cas, on allait. OK, et ma gon bataille là qu'a fait là sous question BNC. On connaît que gagné et un processus qui dérapé là pour juste changer et membre conseil d'administration BNC. Ya. Et gan pile si répète là surtout dans mitan monsieur conseil présidentiel yo OK et trafic d'influence puis regardez qui est yo capable yo même imposer comme directeur général BNC comme président conseil là donc son gros bataille et c'est pas seulement au niveau de BNC seulement il parle gain des batailles là je t'ai dit là hier Isaïe César gain des direction générale là dans moment là gain gros l'argent qui baille gain gros l'argent qui a misé là à terre là oui oui pour pas changer direction générale yo pour pas changer directeur général ça yo et puis gen goulache k ap bay tout OK pour yo ta changer donc directeur général ou du moins pour yon moun ben on secteur te capable gagner même mise sous yon direction générale pratiquement donc dans pays et ben ainsi va la république c'est comme ça a toujours yé et malheureusement et je connais t'a posé question hier nous te dit que est-ce que gars ekoni a capable river yo dire donc mettre fin à corruption pratiquement dans pays d'Haïti. Moi je crois que non parce que il y a un système, c'est comme si ouais que Gaye Koni déjà lui-même il fait corps avec système qui là et que la PC jongler, il y a la PC jouer donc un système là pour s'il est capable d'arriver à atteindre objectif que li gagne ou du moins agenda que li gagne qui c'est arriver faire élection pratiquement donc dans pays. Donc pour arriver faire élection, son paquet de concessions, donc son gros bataille. Et c'est là que nous sommes là, pratiquement, donc, madame, monsieur, donc, et dans ce qui a à voir avec le pays d'Haïti. On a les messieurs, Haïti, politique, le premier ministre Gaye Koni, dans une adresse à la nation, a décrété l'état d'urgence sur plusieurs communes de deux départements de la République. Qui ça nous retenu de l'adresse à la nation, monsieur Gaye Koni, Isaïe, Samuel, Jean-Baptiste? Samuel. Moi-même, estimé monsieur agit comme un monde qui pat en dehors de pays. Yeah, l'autre dit monsieur a parlé sans le targuer, le vanter davantage. Ou estimé que monsieur gen moyo, monsieur apprend vite et même l'était dans tritu l'état là déjà. On senti que monsieur connaît ça l'a dit. Et monsieur ramasser discours là et pour le river sous population et quel que soit monde dans quel que soit niveau coréa ou d'accord que monsieur parler avec un peu de compréhension qui pour river sous un pile monde dans le pays. Exact. Correct. Sans le target ou bien dit sans le vanter davantage le premier ministre en question. Alors bien que son créole français francisé et on va peut-être même s'en parler comme dit lien tigeant qu'on confusion entre parler créole avec français parce que des mots qu'il prononce et en créole mais on après qu'il prononce en français. On est d'accord avec tout le corps que nous-mêmes mes discours là message là arrivé sur population. Voilà, on est d'accord avec nous tout le corps nous apprendre en français. Oui, quoi. Ça veut dire que je dis à la premier ministre sac là monsieur discours là il rivé à terre là me dit rivé à terre à dire que le pas parler en langue de bois comme si tout le monde comprenne ça me j'ai dit quoi on a sous monde pas entrer dans logique léo ba un message à la nation adresse à la nation que monsieur bail là on senti que monsieur fait message là passer et pas de trop effort pour moun faire pour comprendre ça me j'ai dit. Correct. Bon, là moi même moi ba monsieur
et le bénéfice du doute, à savoir, et dans toute sa labdio, kou li a la, et état d'urgence et sécurité la, pays a tes besoins. Même le en pile fois, monsieur, tu as annoncé état d'urgence sécurité là. Et il y a un pile monde qui va dire me comprendre ni. Alors c'est de sous bois vert. Bois vert. Et état d'urgence donc sous bois vert, mais ou après que pas de résultat. OK. Pas de résultat. Maintenant on y a là, là on y a n'attend. Comme on y a là, nèg yo t'ap clé on est pour que force ta vini. Force ta là. D'ailleurs, gagnen yon escorte de monsieur Kenyan yo qui déjà Léogan, selon Gary Meïd, qui a pu faire parler avec nous sur ça. Déjà, qui déjà dans Léogan. Donc, monsieur, il a essayé éparpiller à travers le pays à côté de Chant de Gang. Et vous regardez pour un état d'urgence sécurité, le premier ministre annoncé. Monsieur annoncé sous deux départements. Deux départements, clé. Département de l'Ouest et la Tibonite. Et de fait, c'est deux départements qui plus. Et pas de problème. Correct. Donc, alors, plus gros poids et deux gangs, oui, c'est dans le département sans qu'on joigne. Correct. Donc, le premier ministre a annoncé la couleur. Mais il y a un peu de monde, il y a un peu de journalistes qui, un peu de journalistes, un peu d'articles m'appli, ils ont annoncé que, ils ont écrit que le premier ministre lance les opérations. Mais il a dit que l'opération, il faut qu'on lance. Écoutez, comme le gouvernement, c'est ça le tablé. C'est ça le tablé, exactement. Il lance l'opération, il lance l'opération, ok? Il lance l'opération. Maintenant, on n'a pas regardé qu'on y a, action qu'on y a. Oui, exactement. Moi-même, ça m'a dit, et Loco Désir, Isaïe César, le discours est très martial. C'est-à-dire, vous sentiez son homme d'État qui voulait aller en guerre contre les gangs. Ça pour capable lui sauf que c'est n'a bralé nous même qui fait communication n'a comprendre samedi hein faire chita t'es c'est n'a rentré dans la forme comprendre faire chita t'es manqué paraît voyons signal fort que qui sonnait qui camper pour le gourmet pour moi c'est l'erreur que Dalton y fait et nous te dit ça dans matin débat que il commencer par les trop dans discours li en adresse à la nation hein li reprendre un paquet éléments de langage que il te gétant dit déjà. C'est parce qu'il était en parler trop. Non, nous pourrions reprendre caille par caille, quartier par quartier, etc. Bandit, déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État et comment Haïti pas péri, nous pas perdre bataille ça. Ce sont ensemble d'éléments de langage peut-être que le travail aurait dit. Ça veut dire ça vient de paraître que on perdit sens. Ça vient de paraître que à des salles de nation en fait, c'est comme si nous étions tendé ça déjà. Si nous avons entendu déjà, adresse à la nation était supposé plus venir porter des résultats. Vous comprenez? Au lieu que il devait annoncer ça pour le faire. Bon. Alors, pas oublier que la différence, Samuel, entre une déclaration qui fait avec une adresse à la nation. Bon, si on adresse à la nation, c'est ça, Samuel, adresse à la nation. OK? C'est-à-dire qu'il était toujours une interview, il était toujours une déclaration non radio quelconque, qu'on ait parlé de ça. Mais avec une adresse à la nation, c'est autre chose. Parce que voilà, c'est ça même vous voulez dire que... Mais en termes officiels, ok? Vous voulez dire que prise de parole que vous avez pris avant, ça a demeuré, ça a arrêté. Elle dit, ça, c'est que vous prenez responsabilité, adresse à la nation de façon officielle solanel, et à un titre officiel. Oui, clair. Mais ça, elle prend le fait. Alors, ça différent avec... information probablement et avec une déclaration probablement le café dans radio ou bien en journal ou bien n'importe qui côté. Oui c'est clair. M'te commence par dire que li très solennel ça le fait, li très martial. Sauf que le fait que le t'a parlé trop avant vinn rendre que adresse à la nation vinn manquer gen poids que t'a supposé gagner. Bon rapidement, m'te prend quelques notes, m'prend en 6 points adresse à la nation que li t'a fait, m'te noter. Allez-y. Premier salte qui n'a pas de sa nation, c'est mesure de sécurité. N'a pas de sa nation, il parle de d'abord état d'urgence. Là. Depuis que l'état d'urgence, il y a certains droits qui peuvent restreindre pour la population. Ça n'a pas tout fait pour la population dans le département de l'Ouest, avec trois communes dans le département de la Tibonite, qu'on est que sécurité ou bien droit, liberté à restreindre. Parce que y a un état d'urgence qui est dans la commune qui est dans le département qui est. Correct. Pour aller déploiement, force,
police yo avec Kenyan yo dans zone côtoyé. Oui, clair. Objectif là qui ça la pied c'est reprendre contrôle territoire yo, Jean Premier ministre l'a dit hein. Ça me parle de territoire perdu. Territoire perdu. Caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Ah ouais, ça c'est très important. C'est ça que tu as supposé, nous pas pour parole Premier ministre. Correct. Deuxième point que me noter, c'est engagement solennel que il prend. Avec cette affirmation forte que Haïti pas péri, Haïti pas perdu bataille là. Ça c'est le cri de guerre du Premier ministre. Ah c'est clair. Le c'est chef du CSPN. Normal. Eh bien. Dans ce sens, objectif là c'est mettre confiance by population, by tout membre de l'État. Reprendre confiance. Reprendre confiance. Et puis troisièmement, c'est impact et sécurité. Ah bon, l'idée font tirer aller sur tout ça que t'es gagné. Moi même aller le faire. Ça montre que ok, m'vine là, m'bat Haïti, m'comprendre ça qui passe là. Si moun ki pa ka l'école, fami yo violé, ça qui passe, li explique population que le comprenne et c'est peut-être ça que le prend mes yeux de ce. Et ça on parle de élément de langage, élément de langage que exactement. Apprendre vite, les apprendre vite. Guillaume, un élément qui est important dans l'adresse à la nation, le coup de désir, Esaïe César, c'est d'annoncer campagne de communication et de sensibilisation face à l'insécurité. Bon, par contre, qui ça savait le dire, il n'y a pas trop de détails, peut-être que le bureau de communication pour le ministre pourra le bailler plus d'éléments sous le coup de désir. Très bientôt. Exactement. Donc, alors, ça, c'est une campagne qui va surtout parler de l'action de la police. Ok? Et l'armée, bah, surtout les forces publiques, travail la police a fait pratiquement donc sur le terrain avec bien entendu donc et la force multinationale et campagne de communication ça. Parce que en fait et selon ça que me comprennent et me parle avec des proches du Premier ministre et que et en fait je pensais que en fait l'équipe pensait que et travail communication la police ça pas qu'à seulement résumer à un porte-parole là avec clair, un porte-parole qui a porté parole la police là conférence et pas oublier que porte-parole là porte-parole là pas qu'à dire toute bagaille correct exactement c'est dit pour dire mais ça vous le dit mais ça vous le pas dit or la police là a besoin d'une plus grande campagne de communication et c'est lui qui va permettre que je dis là que population tout en fait prend confiance et il faut que tout travail de communication ça tout faut lier avec action que la police a fait sur le terrain exactement. Oui, m'ta dit ça dernièrement que il nous faut aujourd'hui une communication de guerre parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est le mot, hein? C'est ça. Parce que les gangs yo gon communication qui bien rodé tout à l'heure là Isa yo t'a dit que bon nous tout connaît que yo gen des journalistes même qui infiltrent dans médias qui abaille qui a projeté image yo. Et ou après chaque espace yo prend yo go face ou faire propagande pour que yo yon position de force, c'est-à-dire que qu'on y a l'argent au dit nous pas arrêter seulement à une simple question de conférence de la presse etc. Non, c'est pas ça, quelques posts sur Facebook, c'est pas ça. Oui. Donc dans campagne de sensibilisation ça, j'espère que a gagné des campagnes de sensibilisation avec journalistes yo, que ce soit en ligne que traditionnel etc. pour nous reprendre ensemble des éléments de langage qui permettent que nous voyons signal fort by tout monde qui a attendu. Et puis cinquièmement, dans 6 points petit point yo, il fait valoir des inspirations internationales, il prend exemple et Nayib Bukele au Salvador. Bon, m'a croire que c'est même bagarre là qu'il fait, mais ça montre que au moins il cherche qu'on est qui ça qu'a fait à l'étranger sous comment yo résout problème yo. Ça a montré l'intéressant et puis il fait quelques évocations historiques là, ni très important. Évocation historique de mariage de l'armée indigène et les esclaves pour te combattre les Français. Les Français. Yeah. Donc ça très important et là m'bra souligne un élément qui est très important côté. C'est comme que Premier ministre de façon voilée. Il mande peuple à tourner avec Exactement le gouvernement. Mais merci Louko, merci Louko. Voilà, Ousmane. Ça c'est très important. En terme voilé. C'est le Boakale. Façon voilée, il mande peuple à tourner avec mouvement Boakale. Exactement. Pendant force la frappe. Pendant la police a frappé et puis population même à barre en haut, barre en bas. Voilà, c'est ça même. Il n'y a pas qu'à dire directement parce que c'est un homme d'État. Il y a une organisation internationale qui a dit, mais Jean le dit là, nous tous grands timoun, on sait lire entre les lignes, nous comprenons. On a demandé entre temps, et libération arabe, rapide. On va nous rappeler, c'est une affaire de lance et Boakale. Arabe, libérez-le pour nous, s'il vous plaît. Bougouin. Et puis, dans le sixième point, pour nous finir.
li font appel encore aux gangs armés, j'en toujours qu'on fait, exhorter yo déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État en façon pour capable gagner la paix qui établit dans le pays d'Haïti. Alors